Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour montrer la caillou pour me porter pour toute dernière information à travers le pays d'Haïti, dans le bord de l'eau. Jeudi, c'est vendredi 5 janvier 2024. Bienvenue dans le journal là. Puis vous prenez une vague pour nous développer pour jeudi dans le journal ça. Plusieurs sénateurs américains écrit président Joe Biden pour que capable de prendre toute décision contre l'autorité dominicaine qui choisit Haïti pour que capable détériorer ensemble avec Zam Cap rentré dans le pays d'Haïti. Guerre Israël Hamas là toujours à continuer et même multiplié pendant militants Hamas. Même il a passé toute qualité misère qui gagnait en bas l'armée israélienne. Visite secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans Moyen-Orient pendant pour la trier israélien décide de bombarder et bien moun qui trouvé en dedans Gaza alors que Gaza trouvé dans une insécurité humanitaire. Et bien en dedans Mariani situation livin plus compliquée. Nous pral gen à travers journal ça, nous pral tande comment situation li même lié en dedans Mariani parce que bagay yo vin plus compliqué. C'est tout point ça yo à divers autres. Nous va gen pour développer pour aujourd'hui dans journal ça, restez connecté avec nous. Yon façon capable toujours été bien informé. Yon l'autre fois encore, gros bonsoir pour nous tous et bienvenue dans le développement journal Silla. Guerre Israël Hamas là toujours à continuer et même à multiplier chaque jour qui a passé depuis 7 octobre passé 2023. Et bien, situation ça li compliqué côté moun militant Hamas yo te attaqué Israélien yo, te gen yon latriye moun ki mouri depuis guerre ça, li commencé déjà gagner environ 2438 moun qui déjà fait voile pour pays sans chapeau et militant Hamasio envers l'armée israélienne, dirigeant israélien, yo sémenté 777 fois, pas gain rien cap fait yo camper sous ça parce que fait comprendre guerre lui-même li fait carré continuer et c'est une guerre qui a plong en pile. Tout autant gagnent militants Hamas qui existaient en dedans Gaza, guerre ça lui-même li toujours à continuer, même rivé en dedans une série de tunnels pour que capable exterminer depuis ces monde qui trouvaient yo en dedans tunnel yo, et bien bagarre là li paraît vraiment plus compliqué. Gagnent Anthony Blinken qui c'est secrétaire d'État américain qui te font rivé en dedans Moyen-Orient, donc façon capable gagnent chita attendre ensemble avec toute grande autorité qui gagnent yo et gagnent président israélien lui-même li pas décidé camper sous guerre ça parce que li fait comprendre guerre ça lui-même li fait quand carré continuer. Et bien mes amis internautes gagné SOS journaliste lui-même qui mandé ensemble avec un premier ministre Ariel Henry ensemble avec un ministre justice là madame Émilie Prophète pour qu'il capable prendre toutes mes nécessaires, fait tout ça qui dépend de yo pour qu'il soit capable et bien et révoquer commissaire Richemont lui-même qui trouvait là en dedans département sud là. Et bien monsieur ça côté que gagné certains de Wilkins lui-même qui était arrivé touyer journaliste qui relait garité ça en dedans Oukayan. Et bien Wilkins ça c'est proche commissaire Richemont lui-même lié, et bien ont été obligé libérer Wilkins. Et bien bandi ça qui arrivait libérer association journaliste SOS journaliste yo mandé après toute intervention que eux-mêmes yo fait yo arrivé joindre puis yo arrivé joindre que bandi ça c'est proche Richemont qui lui-même nié qui prend décision pour que le capable bien laguer libérer bandi à moment arrivé yo pas supposé abgarder commissaire Richemont comme ça parce que ça gain plusieurs gros accusations qui sous dol parce que gain yon série de monde qui mouri en dedans au caille tant qu'on sait les hommes d'affaires on sait des autorités moun sa mouri commissaire Richemont parti rien gagné Gary Tesli même qui rivé prendre molan il t'a couvri faire casser ça et l'a regardé yo vinn découvrir c'est un proche lui même qui rivé touyer Gary et nan moment et bien li libéré et gang nan moment n'a parlé a gagné association SOS journaliste qui lançait pour que premier ministre Ariel Henry ensemble avec madame Émilie Prophète pour faire tout ça qui dépend de yo pour capable et bien révoquer
commissaire Richemont. Yon l'autre côté, zami internautes, bagay la li paraît extrêmement compliqué. Eh bien, gagnant Elizabeth Warren ensemble avec Bernie Sanders, des sénateurs américains sa yo, eh bien, yo écrit yon lettre ensemble avec président Joe Biden pour que yo même yo capable faire konnen sa kap passe la nan pays d'Haïti qui sur insécurité ça, c'est pas un mess affaire que les mêmes nié. Eh bien, République Dominicaine li utilise bout de pal la pour qu'elle capable faire zam passer pour entrer en Haïti. Yon façon que capable gagner gang capable posséder tout type de zam qui gagner pour capable craser population haïtienne nan. Mais question ça qui vraiment intéressé deux sénateurs yo, et bien deux parlementaires yo monté comment que yo gen inquiétude de ça qui a passé à et bien autorité l'état américain yo mandé ensemble avec un président Joe Biden dans lettre qui ont adressé ensemble avec lui pour le faire gros pression sous autorité dominicaine yo pour voir comment que yo capable camper sous question ça yo façon pour pays d'Haïti population capable râler yon souffre avec question zam qui a rentré dans pays d'Haïti qui passait en République Dominicaine. Pour aller plus loin, yo fait connait que c'est parce que République Dominicaine li gen intérêt dans ça qui a fait là qui c'est fait zam rentrer dans pays d'Haïti pour capable détruire population haïtienne dans département sud. Eh bien, question carnaval, département direction départementale en police en dedans sud-est et selon porte-parole là qui c'est Michael Valesco, et ben il fait qu'on est direction départementale en sud-est lui-même il déjà prend toute disposition pour que capable et bien bay sécurité dans carnaval 2024 là dans ville Jacmel. Dans ça n'a rappelé aux amis internautes carnaval pour année ça lui-même en dedans Jacmel li a commencé sorti 7 janvier pour arriver 14 février 2024. Nous avons toujours été en dedans Jacmel, et bien gagné yon gang amis internautes qui bay tête li non Dieu l'or monsieur les milliers et alias Dieu l'or lui-même qui touyé madame Roland Zeni en dedans Jacques Mel depuis le 30 juillet 2020. Et bien depuis le fin touye madame ça et qui gagne 82 l'année qui c'est un avocate et ensuite yon éducatrice il était mettez vent en voile li côté que la police pas capable river joindre ni et bien dans sens ça gagne la police qui dévoué mettez colle tout dehors tout côté pour que capable poser la patte sous gang qui a bay problème dans pays d'Haïti. Et bien hier jeudi 4 janvier 2024 là la police posait la patte sous lui non on a parlé à lui trouver là non mais la police pour qu'elle même ni capable à répondre question la police sami internaute gagné et c'est tout point ça yo nous vidéo développer pour vous sans que nous pas oublier comment que Mariani lui-même lié depuis 1er novembre 2023 situation li compliqué en dedans Mariani côté que moun pas capable passer ni à pied ni à machine ni à moto bagala li extrêmement dégénéré jan situation lié dans moment en pile moun a demandé pour que la police capable river pour faire intervention parce que gang a tiré sous population et population l'autre bord obligé à lancer une série de coups de roche contre gang yo pour comment qui capable bay possibilité avec machine avec population pour passer en pile moun a fait intervention en pile moun déjà a parlé en dedans Mariani pour faire quoi que malgré la police li dit di fait intervention yo touye yon série de gang mais yo démenti la police pour faire quoi que jusqu'à présent pas gen moun qui capable passer pas gen aucune intervention qui fait c'est eux même qui a créé pas moyen pa yo pour comment que yo capable libérer de gang qui a bay problème dans pays d'Haïti. Voilà, madame, mesdemoiselles et messieurs, c'est tout point ça. Vous devez développer pour vous. Entre temps, nous quittons ensemble avec la Voix de l'Amérique pour plus de détails. Jeudi 5 janvier 2024, VOA Créole content entrer la CAO pour le présenter au programme dans langue créole haïtienne. Moi, c'est Jacqueline Belizère, quelques grands points cap dominé actualité. Actualité internationale, visite secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans la région Moyen-Orient dans le moment l'armée Israël a continué opération militaire brutale contre Gaza qui toujours a fait face à une insécurité alimentaire.
Actualité ici aux États-Unis, réaction continue à tomber après démission président université Harvard là, Claudine Gay. Et puis dans le pays d'Haïti, région Marianien, dans le département l'Ouest PIA, occupé depuis quelques mois déjà, actualité haïtienne dans les affaires insécurité. Bonsoir, l'autre fois encore, on va nous entrer dans le développement actualité. On a dit que président Joe Biden prend la parole là. Et la veille anniversaire 6 janvier 2021 et avec attaque qui était faite sous Capitole là et il touchait un paquet de questions importantes comme par exemple démocratie, il demandait est-ce que démocratie était sacrée aux États-Unis, c'est une question qui est plus important pour yo poser journée aujourd'hui en temps que yo est là et il était tout passé critiquer ancien président Donald Trump, il dit pour ça que passé 6 janvier et il dit que président ancien président te dit que t'es grand pile l'amour 6 janvier lui-même il dit que toute nation t'es capable t'es grand pile raïssement dans attaque qui t'a faite sous Capitole là. Et il rappelait déclaration que l'ancien président Donald Trump a fait, il dit « day one », ça veut dire depuis le premier jour, s'il montait sous pouvoir, il a fait, il dit « qui j'en pour un président américain capable de faire déclaration comme ça ?» Et il dit que violence politique, c'est un affaire qui ne peut jamais, jamais accepter ici aux États-Unis. Donc c'est en gros et déclaration que président Joe Biden prend dans moment table descendant président est continué à parler toujours n'a gain pour nous rapporter au plus ou moins tout ça que président dit jodia la veille anniversaire troisième anniversaire attaque qui était faite sous Capitole là n'a gain pour nous retourner sur sujet pita dans programme là nous parlons dans région Moyen-Orient qui côté actualité a toujours à bouillir et ben autorité dans pays Israël continue à dire que guerre contre Hamas là à peu longue pendant que habitants dans Gaza a fait face à une grosse crise humanitaire malgré quelques petites aides qui arrivaient mise à jour avec gentil Augustin Junior. Premier ministre israélien dit yo vraiment déterminé pour réaliser objectif la guerre qui s'est éliminé Hamas pendant États-Unis a cherché entente diplomatique pour résoudre conflit ya. Cependant, population dans Gaza toujours dans gros problème humanitaire à cause attaque sans camper l'armée Israël là. Nous pral faire tout ça nous capable. Sous bon pam et moi penser que travail avec administration Biden, monsieur premier ministre, pour avancer pour plus devant et puis faire plus mauvais cauchemar Iran yon réalité. Arabio ak Israélien yo a prend direction lumière. Ayer jeudi 4 janvier 2024 là, sénateur américain Lindsey Graham t'est rencontré dans Tel Aviv avec premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour discuter sous conflit entre Hamas et Israël là et parler tout sous dernière attaque qui t'est faite sous peuple iranien. Nous vraiment déterminés pour réaliser objectif la guerre nous yo, qui c'est détruire Hamas, libérer otage nous yo et puis assurer Gaza pas tourner yon menace encore. Pour ça fait, nous pral appliquer force maximum ak pression maximum n'importe côté ça nécessaire. La guerre là mais Israël là contre groupe Hamas là presque rivé dans 3 mois. Communauté internationale la paix pour conflit a pas aller plus loin que Gaza. C'est pour ça rencontre diplomatique yo a multiplié. Tankou visite envoyé spécial américain Amos Hochstein, secrétaire d'État américain Anthony Blinken ak en pilote. Yon l'autre côté, leader groupe Hamas la te parlé hier jeudi a tout et te dit. Ennemi criminel, arrogant actionniste ça malgré échec li yo ak déception après 3 mois agression baba sou Gaza nan holocauste ça. Nan génocide ça fait massacre et destruction chaque jour sous timoun ak femme li vle éliminer pep Gaza nan lumière échec li yo ak pet double yo nan soldat ki mouri kounya li vle exporter crise la à l'étranger pendant chi repite ça ant groupe armé Hamas la ak l'armée Israël la selon an pile organise droit moun nan monde lan principal victime yo c'est population civile la la guerre ça qui pral entrer dans 3 mois la guerre population Gazaoui a nan gros difficulté comme ça gagnen qui organiser yo nan la rue Rafah yon zone nan Gaza yo fait tourner marché pour yo ka vivre
Moi t'ai visité Sid Rafa en pile. Il est tellement différent. Kounya en pile monde qui déplacé, grand goût et puis fatigué. Yo pas gain côté pour yo dormir. Tout monde ici là sans espoir. L'armée Israël là continue à attaquer sous terre ak en l'air dans Gaza en réponse à attaque Hamas là 7 octobre 2023 qui était la cause yo perdit plus passé 1200 moun ak 240 lot otages. Ministère Santé Gaza a te dit que quantité totale de morts palestiniens qui étaient enregistré yo te rivé dans 22 438 hier jeudi. Mais tout gen vidéo groupe Hamas qui montrait côté y a attaqué l'armée Israël là dans Gaza. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. Merci, gentil Augustin Junior. Pendant ce temps, gagné secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui est venu à Istanbul, dans le pays Turquie, qui est la première étape qui est dans la région Moyen-Orient. Tant que le département d'État américain a fait qu'on elle, il a fait annonce là. Sandra Lemaire. Dans le moment où la guerre entre Israël et Hamas entrée dans le troisième mois, le secrétaire d'État Anthony Blinken a retourné dans le Moyen-Orient. C'est la quatrième visite dans la région depuis Hamas a lancé une attaque surprise contre Israël 7 octobre, côté 1200 Israéliens sont morts. Porte-parole du département d'État, Matthew Miller, a annoncé la nouvelle là jeudi. Le jour pendant la semaine qui vient, le secrétaire va visiter la Turquie, Grèce, Jordanie, Qatar, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Israël, Cisjordanie et Égypte pour rencontrer Tokailio et l'autre officiel. Qu'est-ce qui a sauté pour le conflit israélo-Hamas n'a pas augmenté et puis déclenché un conflit régional prend ampleur après assassinat chef adjoint Hamas là, Saleh al-Aouri dans le Liban mardi. Israël pas ni confirmé ni démenti, c'est lui-même qui lancé attaque là. Miller dit Blinken prend le travail pour calmer tension yo. Il dit qu'il faut le concentrer, même j'en ai fait depuis 7 octobre, sous effort pour empêcher conflit à propager. Il faut chercher mesures précises, partir au Capran, par exemple, servir à influence dans la région pour éviter conflit à propager. Il n'y a pas d'intérêt personne, pas Israël, pas aucun pays dans la région et pas monde pour conflit ça à propager plus loin passé Gaza. Israël s'est menté pour éliminer leader Hamas après attaque 7 octobre et il dit troupes li gagnent sous frontière nord avec Liban en état d'alerte maximum. Président Joe Biden fait face à critique piment bouc à cause support li baye Israël pour défendre tête li après attaque là. Nan moment plus passé 22 000 Palestiniens mouri dans Gaza. Experts dit critique yo souvent gain espoir qui pas réaliste par rapport avec quantité influence Biden ou bien Blinken gagne sous décision Israël apprend par rapport à la guerre. Brian Katulis, c'est président politique Institut Moyen-Orient. Monsieur dit, pourquoi c'est un mythe que les États-Unis gagnent un bouton magique qui est capable de peser pour suspendre les livraison de certaines armes ou bien, si nous cas, Jean-Kerk, sénateur, suggérer couper financement pour Israël et que ça pourrait forcer Israël à agir différemment face à la menace. Département d'État dit protection et assistance pour civils en Israël, à Gaza et puis Cisjordanie, c'est la priorité pendant visite Blinken. Reportage Cindy Sain, VOA News, traduction Sandra Lemaire, VOA Créole. Et puis pendant nos actualités concernant les États-Unis, il y a un tremblement de terre qui fait que ce arrivé là dans le sud de Californie, ce qui a une puissance de 4,2, il n'y a pas et nouvelle a pas dit si gagné et blessé si gagné victime. Et puis dans New York, activiste Al Sharpton a participé dans un picket line dans Manhattan contre démission madame Claudine Gay comme président université Harvard. Valérie Saint-Louis. Hier jeudi 4 janvier, devant bureau milliardaire Bill Ackman, qui est manager fonds l'argent du coopératif dans la ville de New York, là, révérend Al Sharpton, ensemble avec l'organisation qui a défendu Doua Moun, qui relaie National Action Network, a fait une picket line, manifestation, pour protester contre l'attaque que milliardaire Bill Ackman a fait contre l'ancien président de l'université Harvard, là, Madame Claudine Gay. Manifestants ont marché devant bureau, chanté avec pancarte signe Kebe Nameo, qui écrit Ça, c'est un bon problème. Avec l'autre pancarte qui écrit tout, pas de justice, pas de la paix.
Révérend Al Sharpton, qui censé un leader qui lançait appel pour manifestation ça contre démission Dr. Claudine Gay comme président université Harvard là, t'es débarqué, vin marcher, participer dans piquet là non, les mêmes tout en personne. We have started these weekly 1 hour protests in front of Mr. Ackerman's office. Nous avons commencé manifestation ça yo chaque semaine pendant you et temps devant bureau monsieur Ackerman. Li te dit que démission madame nan docteur Gay nan Harvard c'est pour qu'on faire. Yo pral continuer goumen pour mettre fin nan sa yo rele DEI qui c'est diversité, équité et inclusion. Ça c'est une déclaration you la guerre contre tout moun noir, femme, massici, homosexuel. DEI a été fait pour porter justice et égalité by moun qui était historiquement marginalisé et qui ont essayé éliminer dans société a. So now he wants to go back. Kounia li vle retourne nan tan kote ke nou pa moun ki yo ta dwe konsidere bay promotion pou travay nan université ak nan gwo entreprise. Nou pral goumen, nou pral kontinye kampe isit la chak semen, nou pral kontinye jusqu'à ce que nou fè plus moun toujou. Président université Harvard, Claudine Gay, te dit que li tap démissionné nan position li mardi 2 janvier passé a pour mettre fin nan yon mandat 6 mois qui te avili à gros accusation de plagiat copiador, ça qui te gen répercussion sous témoignage devant Congrès sous antisémitisme, discrimination contre juifs yo sous campus université a. Madame Claudine Gay te vin en bas gros pression pour ta démissionné nan comité juif université Harvard la, et gen quelques membres nan Congrès qui te mette pression pour démissionner pour tête commentaire que te fait dans audience li devant Congrès américain dans date 5 décembre passé pendant que en même temps li t'a fait face à plusieurs accusations sous plagiat pour travail académique li pendant dernier mois yo. Il y a quelques critiques madame Gay parmi yo Bill Ackerman qui te bail argument fait quoi que yo t'ai choisi madame Gay pour rôle li comme président université a dans effort que l'école t'a fait pour encourager diversité au lieu que yo t'ai choisi sous bon qualification. Activiste Zel Doatio qui gagne la dan journaliste ak chercheur Christopher Rufo te célébré bat bravo pour démission madame Gay mardi passé a comme une victoire dans mission pour démanteler diversité, équité ak programme inclusion. Pendant ce temps, révérend Al Sharpton lui-même, ensemble avec quelques autres organisations, dit que le pape suspend fait piquet là et manifestation contre démission Madame Claudine Gay. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, depuis New York. Merci Valerio Saint-Louis. Tant qu'on te promet, nous allons parler de 6 janvier 2024. Ça fait 3 ans depuis plusieurs milliers. Partisan ancien président Donald Trump est entré dans le Capitole là avec fracas et dans l'occasion gagné sénateur avec député hier soir qui était réuni et président Joe Biden il se prend la parole toujours dans le cadre anniversaire ça en avance à peu près. The 45th president. Dans matin 6 janvier 2021, ancien président Donald Trump qui était président à un moment prononcé un discours piment bouc devant un paquet de partisans sous National Mall là qui tout près Congrès, tout près la Voix de l'Amérique. Dans discours ça, il publiquement reprimandé vice-président dans époque là Mike Pence, peut-être il pas exécuté projet pour te rejeter bulletin vote qui était en faveur. The 45th president. Dans matin 6 janvier 2021, ancien président Donald Trump qui était président à un moment, prononcé un discours piment bouc devant un paquet de partisans sous National Mall là qui tout près Congrès, tout près la Voix de l'Amérique. Dans discours ça, il publiquement reprimandé vice-président dans époque là Mike Pence, peut-être il pas exécuté projet pour te rejeter bulletin vote qui était en faveur Joe Biden yo. Et monsieur Trump t'est enflammé foule. Nous tout qui ici la jodi a, nous pas vle wè démocrate gauchiste radical yo voler victoire électorale nou tant kou y a fèl à tout faux média yo. C'est ça yo fait déjà et c'est ça y a fait. Nous pas jam bat ba, nous pas faire bac au grand jamais. Ça pas privé. Nous pas de faire bac les gè vol. Et dans moment ça en pile fanatique ancien président est venu ak pancarte photo monsieur Trump ak drapeau américain et yo t'est chauffé en pile et monsieur Trump t'es expliqué partisan yo raison d'être yo sous National Mall là. We have come to demand that Congress. Nous venons ici là pour exiger Congrès faire ça le doit faire et pour le compter seulement électeurs qui t'est inscrit légalement. Oui, légalement. Moi connais tout le monde ici à pral nan yon ti moment nan capitale là pour faire autant de voyo yon façon pacifique
et patriotique. Jodi a nou pral wè si républicain yo pral défendre fermement intégrité élection nou yo ou encore si y a défendre fermement non pays nou. C'est après ça plusieurs milliers partisans ancien président t'est attaqué ak fracas siège Congrès Capitol Hill. Yo attaqué policiers, membres sécurité ak personnel institution et yo même menacé pour déchouquer et pendre Mike Pence vice-président. Capitole la tête en bas et agent sécurité était obligé courir à gros dignité yo parmi yo vice-président Mike Pence. Stacy Plaskett, c'est une directrice de la Maison Blanche. You can see Vice President Pence. Ou capable voir vice-président Pence ak famille kap kouri descend bien vite dans escalier. Vice-président te viré tête li derrière pendant la descente. C'est même cas tout pour président chambre députée de Speaker of the House dans moment Nancy Pelosi qui lui-même était sous un pile choc. Oh mon Dieu, mais au cas vite yo. Il a fait toute bagaille. Gagne un monde qui prend balle. C'est tout simplement terrible et tout déblousage ça yo, c'est sous l'autre président États-Unis. Et vice-président Mike Pence t'est retourné dans salle Congrès pour le faire d'après ça il dit deux voix constitutionnelles et certifier résultat élection 2020. The votes for president of the United States are vote pour président États-Unis paraît comme ça. Joseph R. Biden Jr., qui sorti dans l'État Delaware, recevoir 306 voix. Donald Trump, qui sorti dans l'État Floride, recevoir 232 voix. Cinq moun, parmi eux, yon policier mouri pendant yon titan après insurrection, et te plus passé 140 policiers qui blessés. Et Capitole là te subi plusieurs millions de dollars de gars. La police a arrêté plus passé 1100 moun en bas accusation comme quoi yon te lié à attaque sous Congrès. Parmi moun sa yo gen plus passé 630 moun ki plaide coupable nan tribunal. Ancien président Donald Trump lui-même plaide non coupable pour accusation fédérale ki liye ak démarche li ta fait pour annuler défaite électorale yo nan élection 2020. Afè sa a gen nan tête li comme conseiller spécial Jack Smith. Today, an indictment was unsealed. Jodi a, nou gen acte d'accusation qui accuse monsieur Donald J. Trump pour complot fraude contre États-Unis, pour complot qui te visé privé électeur droit pour gain élection qui juste et complot à tentative pour bloquer un processus officiel pour Congrès certifier victoire démocrate Joe Biden comme président. Procureur a affirmé que monsieur Trump a exploité événement 6 janvier et il t'a dérefusé pendant un bon moment pour demander partisans lio quitter local Congrès. Procès a bien pour dérouler dans Washington dans date 4 mars 2024 mais revendication comme quoi il a bénéficié immunité a, ça veut dire il a pas qu'à retenir accusation criminelle contre lui. Oui, question ça gain pour là devant, il un juge cour d'appel dans commencement mois janvier ça. Pendant ce temps, ancien président Donald Trump a mené campagne pour joindre ticket parti républicain pour élection présidentielle novembre 2024. Ou souvent VOA créole ou suivi un programme dans langue créole haïtien. The 45th president. Nan matin 6 janvier 2021, ancien président Donald Trump a prononcé un discours piment bouc devant un paquet de partisans sous National Mall qui tout près Congrès, tout près la Voix de l'Amérique. Dans discours ça, il publiquement reprimandé vice-président dans époque là Mike Pence, peut-être il pas exécuté projet pour te rejeter bulletin vote qui était en faveur Joe Biden. Yo. Et M. Trump t'est enflammé foule là. All of us here today. Problème technique et les aléas du direct. Et n'a pas entré dans l'actualité concernant le pays d'Haïti. Yon leader politique haïtien, René Civil, rejeté l'idée comme quoi élection générale a organisé dans le pays d'Haïti dans l'année 2024. Ça, contrairement à discours premier ministre, Ariel Henry t'est prononcé. Et détail à Renan Toussaint depuis continuer dominer actualité politique là en Haïti côté René Civil qui c'est leader politique émergence patriotique dit pas quoi élection a bientôt organisé dans courant l'année 2024 là. Remarque m'a fait des discours premier ministre. Si nous sincères à tête. Si nous cohérents dans ça nous pourquoi ouais comment n'a combattre insécurité violence gang yo. Gaza. Conseil électoral pour commander. Violence là pour un niveau exorbitant. Qui donc, je ne crois pas dans l'année 2024 là, réellement, n'a pas fait l'élection. Si le Premier ministre a dit
la mette chantier électoral là en marche en 2024, m'ap d'accord. Parce qu'il faut nous dire l'argent lié. Parce qu'une élection pas qu'à faire dans 6 mois dans le pays là, pas qu'à faire dans une année. Il faut du temps pour chasser, pour tambouriser les gaz amio. René Civil fait connaître que tout autant conditions nécessaires pas réunies pour gain stabilité politique dans le pays d'Haïti, Premier ministre Ariel Henry pas qu'à a parlé cause électorale. Nous besoin stabilité dans le pays pour nous combattre misère, pour nous combattre grand goût, pour nous combattre chômage, pour nous redonner l'espoir au peuple haïtien et à la jeunesse de mon pays. Pour redonner l'espoir, il faut donc une stabilité. Et pour gagner stabilité, il faut nous combattre la sécurité, nous mener le pays vers les élections. En tout cas, pour certains leaders politiques proches à COP 21 décembre 2022, élection qu'a organisé dans le pays d'Haïti, si toutefois mission multinationale soutien à sécurité MMSS Lanta déjà vin aider PNH rétablir l'ordre et sécurité dans le pays. Renan Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Actualité ap mené nous dans Wanamet, yon organisation droit monde visité canal là pendant semaine là dans l'idée pour observer comment journalistes a fait travail yo. Nous gen sur place Jodley Junior Saint-Ville. Jodi a nou nan département Nord-Est. Pour évaluer situation droit moun yo nan département Nord-Est la, Observatoire haïtien pour le droit et la liberté de la presse OHDLP pendant ce maintenant fait yon viré rond dans plusieurs communes. C'était yon occasion d'après sa yo di pour yo tal visiter canal la. En même temps, observer comment journalistes yo a travaille. Journaliste Alex Kala, qui est président de l'association et responsable affaires juridiques là, met Amenta Leonard te répond question journaliste. Pendant que tu as participé dans un forum agricole dans Wanamet. Et l'Observatoire ici pour la liberté de la presse qui a accompagné Chapska et qui a fait un gros travail à vos femmes, agriculture dans le département, nous-mêmes dans la presse, nous-mêmes étant que organisation société civile, nous ne sommes pas capables d'accompagner le docteur Inès Joseph. Et c'est une opportunité pour nous tous, pour nous bon regard sur la question façon droit comme activité à violer dans le pays. Nous passons pour liberté. Nous accompagnons de Abouham Chapska qui est en tête du docteur Inès Joseph. Et bien sûr, c'est un plaisir pour nous. Nous passons sur le canal là, nous travaillons. Et le conservatoire lui-même, nous prenons sur la question de droit monde. Je dis à nous là, nous avons pile bagaille nous même parce que nous avons écrit sur ça nous est, sur ça nous attendait. Mais entre temps, nous comptons où est Nord-Est. Mette Léona fait qu'on est dans OHDLP, yo conscient travail journaliste yo dans pays ya difficile en pile. Mais li invite journaliste yo dans département Nord-Est là pour yo capable regrouper yo, yon façon pour yo joindre plus encadrement. L'Observatoire li parle tout de question journaliste. Journaliste yo a victime chaque jour. Et l'Observatoire li prend ça en charge pour que li accompagne journaliste. Ouais, comment nous sommes capables de regrouper nous? Parce que c'est un métier qui est utile, c'est une profession qui est utile, tout le monde a besoin. Mais, parce qu'en Haïti, parce que tout ça qui sert, tout ça qui est bon, il faut banaliser. L'Observatoire aujourd'hui en venir dans l'Ouest, nous avons cherché ouais, comment nous sommes capables de rencontrer des associations d'artistes journalistes pour que nous sommes capables d'avancer ensemble avec eux, malgré nous avoir quelques graines. Mais je dis en présence, nous disons exactement, nous venons chercher à renforcer les journalistes pour que nous accompagnions. Jodley Junior Saint-Ville, depuis Wanamet, pour VOA Creole. Merci Jodley, qu'on y en a pour tourner dans l'actualité internationale. Là. Mes amis, on regarde un petit monde qui dépassait tout niveau jouet Nintendo. C'est un record et du monde ou bien un record ici aux États-Unis. Sandra Lemaire pour le dire nous plus. Jouet vidéo qui relait Tetris là, réussit jouet au monde qui a calé tout bon. Willis Gibson gen 13 ans. Nan fin mois de décembre, lan, li te tounen premier joueur qui rive kale officiellement version original jouet Nintendo. Monsieur krasé jouet la. Techniquement parlant, Willis, que moun nan domaine jouet vidéo a konnen comme Blue Scuddy, rive nan sa jouet yorele yon skill screen. Se sa krive leur monte nan niveau 157 la. Le yon joueur fait ça, gen fay qui vin exposer nan code numérique Tetris yo et puis sa krasé jouet là.
Victoire Timounan, c'est un gros coquin chaîne Victoire qui recevoir en pile accolade dans le domaine jouet vidéo. En même temps, tout, c'est un gros causé pour Tetris qui décrit Tetli depuis siècle des siècles tant qu'on jouet vidéo, personne pas qu'à caler. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Non. Dans le pays, nous, il a dit demi-jeune bouchon, eh bien, Nintendo joue un bouchon. Et quand il y en a fait place pour Serge Rodriguez, qui est une vedette et qui pourra parler nous de l'autre vedette. Yo. Serge Rodriguez. Mesdames, Messieurs, salut, bienvenue dans l'actualité culturelle semaine ça à s'ouvrir en créole. Côté nous, pour aborder plusieurs sujets. Il y a des gens qui ont avec Rennes du Danemark qui décide de passer contre le petit garçon Frédéric. Deuxième, nous avons pour eux avec Claire Wimmer qui a couru dans l'arrière comme quoi Britney Spears pour enregistrer un 10e album studio. Il dit ça, c'est parole, ma foi, ma mythe. Mon ancre pays Danemark, réellement regretté, décidé d'affronter un gros vague Freddy pour faire une petite promenade pour la dernière fois dans la capitale nation scandinave, la Copenhague, sur un chariot cheval qui couvrait avec broderie dorée et traîné. Une promenade l'a fait avant de passer couronnant par le plus grand petit garçon, le prince héritier Frédéric, dans la semaine Gabina. La reine Margrethe, qui a 83 ans sous tête Lijon et Jodia, qui était montée sous trône Danemark en 1972, et Mélie a annoncé intention li pendant un discours traditionnel, li prononcé chaque claveille jour de l'an pour le passer couronne royale là-bas et puis grand petit garçon. C'est une nouvelle qui était représentée en coup surprise pour la population 5,9 millions habitants pays nordique là. Reine Margrethe était joint à puis public là pendant toute ville, un public qui décrit Monaco là comme un monde chargé à tac, et puis une personnalité créative parce qu'il est habitué à créer costumes avec mise en scène pour pièces théâtre qui ont rapport avec conte de fées qui portait signature célèbre auteur danois Hans Christian Andersen. Reine Margrethe était héritier trône nan dans même papa li en 1953 à l'âge 13 ans, à la suite d'un amendement dans la Constitution qui te permettre femme héritier pour un Danemark là. Il pourra le remettre couronne royale là, et puis grand petit garçon là, qui pourra le prendre connant comme moi Frédéric X, en date 14 janvier prochain. Nous tournons ici aux États-Unis pour nous dire que vedette pop américain Britney Spears déclaré qu'il n'est pas retourné dans l'industrie musique États-Unis encore. En tout cas, ces paroles sales, il a gagné sur les médias sociaux mercredi passé, de quoi pour démentir rumeur comme quoi elle travaille sur le 10e album studio là. Moi, j'ai précisé, puis il faut que vous courir dans ce sens-là, ces nouvelles n'ont pas mal. Quelques médias ici aux États-Unis, tant que le journal de Sun, avec Petit, eh bien, ils ont rapporté qu'ils ont demandé Charlie XCX avec Julia Michaels pour composer nouveau chanté pour superstar Britney Spears. Vedette 42 ans, écrit sur compte Instagram, lui pour le dire, l'aime composer musique, moi, fait ça pour bon plaisir pour l'autre artiste. On a déjà composé 20 morceaux pour l'autre artiste dans 2 ans passés. Moi, j'ai un parolier anonyme. Et pour me honnête avec nous, moi prends plaisir dans le travail sous forme ça. Britney Spears, le premier monté sur Arène Célébrité, pendant que tu es adolescent toujours en 1998, grâce à ce morceau Baby One More Time. Après ça, il était paraît à quelques gros hits, tant que par exemple, Womanizer et Oops, I Did It Again, pour nous citer ça seulement. Eh bien, mesdames et messieurs, merci infiniment d'être autorité avec nous jusque-là. Pour nous verser vos détails, moi c'est Sergio Rodriguez. Merci, M. Sergio Rodriguez, qui présente nous chaque vendredi à l'ESA. Et bien, nouvelle sous vedette. Donc, on a prêté brèche encore vendredi prochain pour nous rencontrer encore avec Sergio Rodriguez. C'est pratiquement là, on a mis fin à notre programme. On a rappelé que président Joe Biden se prend la parole là, la veille anniversaire, troisième anniversaire, attaque qui était faite sous Capitole là. Et il était profité par les deux. Et démocratie américaine qui en bas menace et il demandait que. Poser question, il dit que c'est question qui est plus important pour y poser dans tant que nous vivons là aux États-Unis. Est-ce que démocratie toujours été sacrée aux États-Unis? Il dit violence politique et bien le pape jamais acceptable aux États-Unis. Il a parlé avec ancien président Donald Trump qui pour lui c'est la vérité qu'il était derrière ça qui passé non sous Capitole là. Et bien c'est là nous mettez fin dans le programme. Merci pour attention, nous merci pour fidélité nous. Thank you Nick Ivanov, gentil Augustin Junior et puis tout l'autre monde qui t'a participé dans le programme pendant Nabdi Jean-Robert Philippe. Enjoy vacances li. Moi c'est Jacques Lebelizer. Bonsoir.